Eh ben, c'est bien trempé, les petits copains. Bien trempé. Hein. Oh la vache. Ah oui, c'est quelque chose. Hein. Eh ben, je marche sous les sapins. Parce que sur le chemin, c'est même plus possible. Hein. Le chemin est impraticable. De la gadoue partout. La gadoue, bah regardez ça. Allez. Donc ici ça va. On s'enfonce pas. Il pleut moins. La vie est belle. Et puis là il y a un beau petit chemin, bon, de temps en temps il y a une flaque, hein. Mais bon, c'est quand même vachement plus praticable. Parce qu'à côté, bonjour, hein. Une auge à cochon. Donc ici, voilà, on est pas mal. Je dirais même qu'on est très bien. Mais voilà, hein. Je vais retourner par là parce que 4 km de les vieux moulins de Tillet. Là j'ai un beau petit sentier pédestre. Il pleut bergère. Rentre tes blancs moutons. Il a l'air. Il y a un vent à décorner tous les cocus de la terre, hein, je vous dis pas. Être fou, faut être fou pour marcher aujourd'hui, ou faut s'appeler Fifi et puis c'est tout, l'anarchiste qui jactait tout seul sous la pluie. Mais alors comme je suis du côté de la Croix-Caille, bah, je me suis mis à l'abri dans une espèce de hutte de môme, parce qu'il en tombe, hein, il en tombe les copains, mais je vais poursuivre ma route, n'en doutez pas une seconde. Et puis c'est tout. Bon, et ben je reprends mon chemin. Ça pleut moins, enfin si on peut dire. Ouais, on va dire ça comme ça. Et c'est parti mon kiki. Et ben je suis allé me mettre à l'abri, à la ferme Jacob, là il y a un préau. Et puis bah là je suis bien, hein. C'est bien tout l'heure de bouffer. Je pense que je vais bouffer là et puis c'est tout. Hein. Enfin on verra bien. Il y a du vent dans les voiles les petits copains. Ou alors ben ça va se calmer peut-être et puis je vais peut-être aller manger à ma cabane des bois. Bon elle n'est pas tout à côté mais bon. Bon bah. Je repars de la ferme Jacob là, parce que ça se calme un petit peu, ça va me permettre d'avancer. Hein. Bon bah là, voilà, chemin faisant, je tombe sur une espèce de hutte qui a été certainement bien construite à l'époque, mais bon, les branches d'arbres, c'est vrai que en automne c'est pas ça. Hein. Mais oui. Il y a de la mousse, les copains. Il y a un petit tronc d'arbre pour s'asseoir. Ben voilà ce que ça donne. Hein. Voyez. C'est pas mal tout ça. Eh ben, les petits copains, quelle sauce, hein, putain. Obligé de faire sécher le poncho comme ça, là. Ben, je suis dans ma hutte. Hein. Au moins, je suis à l'abri, là, bien protégé. Table et banc, et qu'il en est tombé ce matin. Et moi je viens de ce chemin là, juste en face. Et je peux vous dire que c'est quelque chose.